Voilà, bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Désolé pour le petit retard qu'on a accusé ce matin. Vous savez que je rentre d'un long voyage. Et je rends grâce à la fidélité de notre Dieu qui a permis que le vol se passe presque bien. Ouais, je préfère dire presque bien. Ouf. Voilà, donc nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur. Le voyage s'est très bien passé. Nous sommes quittés de Paris, la Belgique, Belgique, Douala, Yaoundé. Et le Seigneur nous a gardés, il nous a préservés. C'est vrai que le tronçon Douala, Yaoundé, ça n'a pas été facile pour nous. Les gens ont crié dans l'avion. L'avion tombait comme le caillou, mes frères. L'avion tombait comme le caillou. C'était très compliqué. Donc voilà sur TikTok. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. S'il vous plaît, sur TikTok, j'ai annoncé le grand retour. Et nous commençons déjà. Et on est en train de commencer les hostilités. Dans tous les cas, ça a commencé. Je suis heureux de vous revoir. Et de vous savoir nombreux ce matin encore, pendant ce live. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Oh. Voilà. Donc, la tournée en Europe est finie. Je veux dire merci à toute la communauté européenne. Tous mes enfants sont quittés de partout pour cette grande rencontre, dans tous les cas, ça a été des moments excellents. Ça veut dire que c'est resté dans mon ADN jusqu'à présent. Les moments que nous avons passés ensemble sont restés dans mon ADN. C'est comme si j'étais toujours, mon esprit était à Paris, en train de revivre ce moment fort. C'est des moments qu'on aimerait toujours revivre. Comme je causais avec mon frère, le prophète Kamto, il me disait que il a suivi le direct en Europe, c'était terrible. Il a vu, c'était extraordinaire, c'est trop fort. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, je suis très content du moment que j'ai passé avec vous là-bas en Europe. Et je suis aussi heureux de retrouver ma famille, de retrouver mon pays, de retrouver l'église du Cameroun. On va enclencher directement vendredi. Ce vendredi, nous avons la grande nuit des flammes à la Bille. Donc, ce sera une soirée de destruction, récupération de tout ce que l'ennemi m'a volé. Nous continuons dans la guerre contre la sorcellerie, les œuvres de Satan. Voilà, je pense que le Seigneur est vivant. Et ce matin, soyons très nombreux, envoyons des j'aime et partageons la vidéo, je vous en prie. Sur TikTok, envoyons des cadeaux, envoyez-moi des cadeaux, que Dieu vous bénisse. Et donnez-moi une minute, j'arrive. Une minute, s'il vous plaît, restez connectés. Partageons la vidéo en tout temps. Bombardons les cœurs, les pouces bleus, les j'aime. Partage la vidéo, je t'en prie. Pardon, avec le temps que je reviens. Une minute.
Ok. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là ce matin. Merci Jésus. Merci, personne n'est comme toi. Donc voilà, nous avons passé des moments très forts en Europe. La main de Dieu a été très puissante au milieu de nous. Des signes, des prodiges, des miracles, des prophéties accomplies. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Des guérisons extraordinaires. Et vous avez suivi les témoignages. On n'en a pas fini avec les témoignages. Et nous sommes, je suis au Cameroun, vendredi, j'ai une nuit des flammes à la Bille. Ça ne sera pas parler du congrès, mais ce sera à la Bille. Nous sommes très très nombreux ce vendredi du côté de la Bille pour la grande nuit de prière. Oh, Dieu glorifiera son nom. Et je pense qu'avec des décrets prophétiques, nous allons renverser les décrets de l'ennemi de Satan contre ta vie. Nous bénissons Dieu pour cela et c'est toujours un plaisir de servir le Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui ont organisé mon anniversaire là-bas en Europe. Merci à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Oh là là, j'ai été touché, je vous assure. Beaucoup se sont démarqués, ont pensé à moi. Et là, ça m'a sérieusement touché. Merci pour ce geste merveilleux. Merci pour ce grand amour que vous avez manifesté pour le petit que je suis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tous ceux qui prient pour moi, pour le ministère. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce matin, je voudrais parler avec toi sur un sujet qui est presque tabou. Pour un sujet qui est presque tabou. Les anges. Parfois... Les gens se posent des questions. Les gens se posent la question. J'étais en train de causer avec un homme de Dieu en France là-bas. Et je lui ai dit que non, je suivais une prophétie où je disais l'ange de mon ministère, l'ange de la prophétie est venu. Et voici, quand il est venu, il m'a montré ceci, j'ai vu ça. Et voici ce que j'ai lu. Voilà ce que j'ai lu dessus. Et puis, il m'a dit, ah, le genre de sujet là, que tu envoies les anges. Que tu appelles l'ange, l'ange vient, ou que l'ange te parle, tu causes avec l'ange, il dit c'est des sujets tabous dans l'église. Ici, là, ça peut te créer des sérieux problèmes. Je lui ai dit pourquoi tout crée des problèmes dans l'église. Et ces problèmes grandissent parce que l'ignorance grandit aussi. C'est-à-dire, la connaissance est en train de décroître, l'ignorance s'accroît, et donc ça fait que même quand vous parlez des choses qui sont écrites, les gens ne voient pas ça. Ouais. Un chrétien ne peut pas ne pas interagir avec les anges. Il faut savoir déjà c'est quoi les anges. Lorsqu'on parle des anges, les anges, oh, il y a un enseignement que le Seigneur m'a donné dans l'avion. Je vais enseigner ça dimanche. Dimanche, je dois enseigner sur ça. Il y a un enseignement puissant que le Seigneur m'a donné dans l'avion. La loi des espèces. Dimanche, j'enseigne sur ça la loi des espèces. Et je vais exhorter tout le monde à être connecté à ce culte de dimanche. La loi des espèces, c'est l'enseignement terrible. Peut-être que je vais commencer vendredi ou dimanche, je vais voir. Je vais travailler sur ça, la loi des espèces. Mes amis, le mot ange vient du terme grec agelos. Agelos, agelos. Le mot ange vient du grec agelos. Et il faut savoir que le mot agelos, qui veut dire envoyer, est un synonyme du mot apostolos. Apostolos, qui veut aussi dire envoyé. Parce qu'on veut dire envoyé ou messager. Apostolos veut aussi dire envoyé ou messager. Donc le mot ange et apostolos, agelos et apostolos signifient presque la même chose. Et il faut comprendre que lorsqu'on parle des anges, il y a des races d'anges. Il y a des races. Voilà pourquoi la Bible... La Bible va vous parler. Attendez un instant, j'essaie de regarder. Attendez un peu. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît, je regarde. Vous voyez? La Bible parle.
La Bible parle de toutes les familles des cieux. Il parle des familles des cieux. Ouais, il dit toutes les familles des cieux. Lorsqu'on parle des familles des cieux, la Bible parle des races. Des races. Donc les anges ne sont pas les mêmes, n'appartiennent pas tous à la même famille. Non, non. Les anges sont catégorisés par famille. Et les familles des anges définissent les races des anges. Vous voyez, par exemple, parmi les noirs, on a les archanges. Bon, les archanges sont les chefs de groupe. C'est les généraux, si vous voulez, les chefs de famille. C'est des autorités redoutables parmi les anges. Donc, on a tous ces anges-là, les chérubins, on a les séraphins. Les séraphins, eux, ils sont... Donc, je disais que les séraphins, s'il vous plaît, envoyons les cœurs, je vous en prie. Oh, Seigneur, c'est mauvais, ça. Avant de créer les pouces bleus. Les séraphins, parce que tu ne peux pas interagir avec ton ange, activer ton ange, si tu ne connais pas ce que c'est que les anges. On a les séraphins, par exemple. Les séraphins, c'est des adorateurs. Donc, ils soutiennent le trône de Dieu par leur adoration. C'est des musiciens. Parfois, vous entendez les gens dire que non, dans les églises, on fait le bruit. Dieu n'a pas besoin de bruit pour être entendu. Dieu a besoin de bruit. Dieu a besoin de bruit au ciel. Les bruits ne cessent pas. Il faut que les gens comprennent cela. Il y a le bruit au ciel 24 heures sur 24 avec des appareils musicaux. Tous ces appareils musicaux qu'Israël a inventés, c'était sous le modèle des appareils du ciel. Il y a des guitares, il y a des tambourins. Hein? Là-bas au ciel. La Bible dit clairement que les archanges, les anges au ciel jouent à la musique. Ils jouent à la musique. Et Dieu est adoré, Dieu est loué. 24 heures sur 24, ça c'est les séraphins. Ils soutiennent le trône de Dieu par leur adoration. On a les quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants, les roues, c'est sur eux que c'est eux qui portent le trône de Dieu et qui se déplacent avec Dieu où Dieu veut aller quand il est assis sur son trône. Ça, ce sont les roues qui et les roues ont les yeux partout sur leur corps. Donc les anges ne ressemblent en rien aux hommes. Ils ne nous ressemblent en rien. Ils ne sont pas minuscules comme nous. Ils ne sont pas. C'est des anges, c'est des êtres très puissants et des êtres qui ne ressemblent pas, à l'anatomie humaine. Vous comprenez? Et ça, c'est bon de le comprendre. Ici, je pense que connexion perdue. Je suis TikTok. Il n'y a plus de connexion. Oh là là. Un instant. C'est vraiment dommage. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. On a les chérubins. Les chérubins, c'est des guerriers. Les chérubins, eux, c'est les guerriers. Et à la tête des chérubins, on a l'archange Michael ou Michel. Ouais, c'est lui qui... Les chérubins, eux, ils sont dans la protection de Dieu et de tous les intérêts de Dieu partout dans l'univers. Donc les chérubins, vous allez les retrouver sur toutes les planètes. Partout, dans toute la création, toutes les planètes, dans les galaxies, dans le cosmos, dans toutes les galaxies, dans toutes les planètes. Les chérubins, c'est un peu comme des bases militaires angéliques. Un peu comme les États-Unis qui imposent leur base militaire partout, dans plusieurs nations, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, où ils avancent aujourd'hui, vous voyez, avec l'OTAN, leur base militaire, leur front, sont avancés un peu plus vers la Russie, vous voyez, pour essayer de contenir la Russie. C'est la même chose avec les chérubins, c'est des guerriers. Ils protègent d'abord le trône de Dieu, ils sont autour du trône de Dieu, et ils sont armés. Et ils sont partout où les intérêts de Dieu sont, c'est-à-dire sur les planètes, en fait, où la création existe. Les chérubins sont là pour protéger les intérêts de Dieu. Ouais, c'est pour cela que la terre n'est pas détruite aujourd'hui, pas que Satan soit là, mais les chérubins sont là pour limiter un peu l'action de Satan. Voilà pourquoi vous verrez que le chef des chérubins, lorsque Satan veut enlever, voler le corps de Moïse, sera envoyé rapidement. Et il sera envoyé là-bas pour protéger le corps de Moïse. Et il dira, Michael dira à Satan, Satan, que le Seigneur te réprime. Ouais. C'est des défenseurs des intérêts de Dieu. Et donc, ça c'est des choses qu'il faut savoir sur les anges.
Et les enfants de Dieu devraient savoir que le ministère des anges est un ministère redoutable. Le ministère des anges, c'est un ministère redoutable. C'est un ministère réel, c'est un ministère efficace. Donc, Jésus-Christ a dit que, je vous le dis en vérité, il dit, tous ceux qui croient en moi, jusqu'au plus petit là, chacun d'eux a son ange debout devant Dieu, qui voit la face de mon Père. Donc, chaque croyant, dès que vous naissez de nouveau, vous avez d'abord un ange, minimum, un ange pour vous. Il y a un ange pour vous, qui est là pour votre sécurité, pour vous garder, pour vous protéger. Voilà pourquoi, dans Psaume 34, verset 8, la Bible dira clairement que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Maintenant, est-ce que je peux causer avec mon ange? C'est ça le problème. Les anges nous sauvent des situations qu'on ne peut même pas imaginer. Et sans même qu'on ne soit au courant, ils ne vous diront pas qu'on te protège, ou on te garde, ou bien on a fait telle chose pour toi, non. Un peu comme on voyageait hier, il dit qu'on est arrivé à un certain niveau entre Douala et Yaoundé là, et j'ai compris pourquoi l'avion avait crashé là-bas en Bangapongo. C'est comme s'il y a, il y a un trou d'air là-bas où l'air chaud et l'air froid se rencontrent, et puis, alors, l'avion là-bas commençait gagagagag. Et puis c'est tombé, ah, c'était sérieux, mes amis. Même les hôtesses ont crié dans l'avion. Mais si les hôtesses crient derrière, c'est que vous allez faire comment? Nous, là, on va faire comment? C'est qu'on est foutus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'avion s'est stabilisé. Pourquoi? Je crois fermement que le ministère des anges était en action. Donc, le ministère des anges, les anges sont avec toi. Si tu es né de nouveau, de façon authentique, les anges sont avec toi. Ils te gardent, ils te protègent, ils te préservent de tout danger. Et les guerres inconnues sont plus nombreuses que les guerres connues. Il faut que les gens sachent cela. Ça veut dire que les problèmes que Dieu résout dans ta vie, que tu ne connais pas, sont plus nombreux que les problèmes qu'il a résolus que tu connais. Ce que nous connaissons, ce qu'on voit, c'est juste la partie immergée de l'iceberg, la partie émergée. Mais ce qui reste en dessous, non, c'est énormissime. Dieu combat pour toi jour après jour. Dieu te défend jour après jour. Les combats de Dieu pour toi sont nombreux. Nombreux, mon ami. Mais on ne le sait pas. Tu voyages comme ça, tu arrives en paix, tu ne sais pas. Peut-être il y a eu même 50 accidents que l'ennemi avait prévus pour toi. Mais Dieu t'en délivre, il t'en préserve. Mais tu ne te rends même pas compte que tu as été sauvé d'un accident, d'une situation mortelle. Donc c'est un peu cela. Maintenant, est-ce que je peux causer avec mon ange? Est-ce que l'ange peut me parler? Oui, bien sûr. Tu peux connaître ton ange. Tu peux connaître ton ange. Moi, je sais que les anges de destinée, parce que les anges de destinée, quand tu crois, tu as un ange de destinée. Ça dépend. Moi, j'ai deux anges de destinée qui sont avec moi depuis ma naissance, ma nouvelle naissance. Deux anges de destinée qui m'ont toujours accompagné. Pendant mon prochain direct, je pense que j'en reviendrai, je reviendrai dessus. J'ai deux anges de destinée loyaux qui sont là, à deux. Leur rôle, c'est de me conduire jusqu'à ce que j'achève mon ministère. C'est ça leur rôle. C'est de m'aider à accomplir mon ministère. Ça veut dire que dans des moments de faiblesse, des moments de dérapage, lorsque mon train déraille, lorsqu'il dévie, lorsque ma navette prophétique, ma navette spatiale prophétique dévisse de son orbite, le rôle des anges de destinée, c'est de te ramener sur la voie droite. Lorsque tu prends de mauvaises décisions, tu t'associes à de mauvaises personnes, leur rôle, c'est de t'écarter de ces personnes-là, éloigner ces personnes de toi. Lorsque tu prends une mauvaise voie, il te récupère sur la mauvaise voie, il te ramène sur la voie droite. C'est ça, les anges de destinée. Chacun qui croit à son ange, que tu l'aies déjà vu ou que tu ne l'aies pas vu. Il y a des gens qui me sensent jamais avoir vu leur ange. Or, tu peux avoir une dimension spirituelle où tu vois ton ange. Je me souviens une fois, on avait fini la nuit de prière, ça en 95, en 1995. 95 ou 96, mais je pense 95. On a fini la nuit de prière. On était en train de rentrer et j'ai vu mon ange. L'ange, je ne dis pas que je rêvais. Je marchais, l'ange était à ma droite. Et j'ai demandé à maman, maman, regarde. Et les gens voyaient les anges nous accompagner. On rentrait. Chacun voyait les anges nous accompagner. Baruta wa inna dolos, wa inna germaïda, wa annas malfilas, enokrasmen, wa inoglospen, no dias manchinata, anau galferaus. Chacun voyait l'ange. On voyait les anges. Et il y avait la lumière. Dans l'obscurité, j'ai dit la vérité devant Jésus-Christ, il y avait la lumière. Il y avait la lumière.
La lumière, dans l'obscurité, je vois la lumière des anges qui nous accompagnaient. Et j'ai dit, c'était la maman, évangéliste, regarde maman, regarde, regarde. Elle a regardé, il y avait la lumière. Aussi irréaliste que ce soit, pourtant c'est vrai. Les anges nous apparaissaient physiquement pour nous accompagner. Donc, le ministère des anges est un ministère réel. Un enfant de Dieu, normalement, doit connaître son ange. Tu dois le connaître. Tu dois parler avec lui. Un jour, je voulais connaître le nom de mon ange. Non, c'est son nom. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Je parlais en langue. Il y avait un mot en langue que je disais souvent, Stovani. Stovani, 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 Stovani. Donc, comme je disais ce mot régulièrement en parlant en langue, ça attire mon attention et c'est un mot que j'aimais beaucoup, Stovani. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais commencer à demander à Dieu que Seigneur, le mot, il veut dire quoi? Le mot Stovani veut dire quoi? J'ai cherché ça dans les radios, j'ai tapé sur Internet, je n'ai pas trouvé. Et, comme ça, par la grâce du Seigneur Jésus, une nuit, je priais régulièrement, je disais, Seigneur, je veux voir mon ange. Non, je veux connaître ce que Stovani veut dire. Stovani veut dire quoi? Et cette nuit-là, je dors, je fais une vision. Dans la vision, je suis dans une ville. La ville est déserte. Elle est complètement déserte. Elle est déserte. C'est une longue rue. Et j'ai vu quelqu'un venir à l'autre extrémité de la rue. Il venait marcher vite, comme un fugitif. Il était pressé, pressé, pressé. Il marchait vite, 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 vite. Et il est arrivé à hauteur de moi. Il était vêtu de blanc. Un homme mystérieux. Et quand il arrive à hauteur de moi, il me dit, on s'arrête. Il était très pressé. Il me dit, Stovani veut dire, il est merveilleux. Et je lui ai demandé, quel est ton nom? Il m'a répondu, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il est parti. Et je me suis réveillé, j'étais très content. Waouh, je connaissais ce que Stovani voulait dire. Ça voulait dire que Dieu est merveilleux. Donc, on peut parler, ton ange, tu peux être en communication avec ton ange. Une fois, en 97, j'étais malade, persécuté par l'église où j'avais cru. Et j'étais malade et personne ne m'avait assisté dans ma maladie. Et on m'avait abandonné chez mourant. J'ai quitté Ngaoundé, je suis allé en Ngaoundéré. En Ngaoundéré, je suis arrivé là-bas, on m'a hospitalisé. J'ai été accepté, accueilli par ma famille charnelle qui est musulmane, vous le savez déjà. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, Aka, toi tu dis que tu es chrétien, non? Où sont les chrétiens là-bas? Là tu es malade, maintenant tout le monde t'a abandonné. Et ils m'ont pris. Les païens, ils m'ont amené à l'hôpital. J'étais tellement brisé au fond de moi de voir comment les enfants de Dieu, le peuple de Dieu que j'avais tellement aimé, m'a abandonné. Tout le monde m'avait rejeté, on m'a laissé tomber. C'est seul au monde. Et bon, ils m'ont amené à l'hôpital. Et donc j'ai pris la décision que je n'irai plus jamais à l'église. C'était fini. Moi, je ne voulais plus continuer avec Dieu, à la foi chrétienne. Parce que je trouvais que les chrétiens sont très méchants, avec certains, la plupart. Et c'est vrai, les chrétiens, c'est comme si naître de nouveau, ça rendait les gens pires, leurs conditions pires, leurs deuxièmes conditions pires que la première. Même dans le monde, moi je n'avais pas vécu la calomnie, comme on vit aujourd'hui dans l'église. La haine, les faux témoignages, les calomnies, les médisances, les jalousies, les empoisonnements, les coups bas dans l'église. L'église qui devait être considérée comme le paradis. Moi je savais que l'église c'est le paradis. Je savais que quand tu arrives là, les chrétiens ne pêchent pas. Donc j'avais tellement élevé la barre haute. C'est lorsque le Coran enseignait sur les chrétiens, les gens du livre, mes amis, je ne sais pas n'importe qui. Mais ce que j'ai vu, j'ai voulu fuir. Je viendrai là-dessus. La méchanceté des chrétiens, ces derniers temps, est devenue plus forte que la méchanceté des païens. Les païens même nous consolent quand les chrétiens nous blessent, quand ils cherchent, ils nous font du mal. C'est les païens qui disent, non, non, supporte seulement. Ah, c'est votre affaire, non, c'est entre vous là-bas. Il faut seulement supporter. Alors, j'ai décidé que je ne pars plus à l'église. La nuit, je dormais. Le dimanche, là, je suis allé à l'église. C'était très sérieux. J'exécutais ma décision.
Et donc, la nuit, j'ai fait une vision. Dans la vision, la même nuit-là, mes deux anges de destinée m'apparaissent. Ils arrivent vers moi, ils sont vêtus de blanc, avec la tête courbée. Je vais vous parler du ministère des anges, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'introduction que je te donne d'abord. Ils s'est couvert comme ça, là. Et ils sont arrivés. Et comme ils venaient, l'autre regardait devant. Celui-ci qui était à côté de moi, il m'a regardé en face, il s'est tourné vers moi. Il m'a donné Ferdinand, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Je lui ai dit, je ne suis pas allé à l'église. Non, je lui ai dit d'abord que la route est loin. Pour aller à l'église, c'est trop long. Et il m'a dit, ce n'est pas la vérité. Dis-moi la vérité, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Je lui ai expliqué que j'étais malade. Au lieu que mes frères m'aident, au lieu que mes frères me viennent au secours, qui prient pour moi, ils ont commencé à dire que c'est parce que je suis un pécheur, je suis malade, ce sont mes péchés, je suis méchant, c'est Dieu me punit parce que je suis le plus grand pécheur de la terre. En sorte que leur parole me rendait encore plus malade que la maladie elle-même. C'est pour ça que j'ai décidé. Et personne ne m'a assisté, ils m'ont abandonné. Et c'est vrai, j'étais abandonné, je crachais le sang à l'époque. Personne ne m'avait donné 5 francs que va à l'hôpital. Au contraire, même la femme de mon père spirituel, chez qui j'habitais, malgré qu'elle voyait qu'elle crachait le sang, le matin, elle vient, elle me dit, prends le seau, va me remplir le fût d'eau de 200 litres. Je marchais sur 1,5 km pour aller puiser de l'eau. Et je revenais sur 1,5 km, donc ça fait 3 km. Et je devais remplir ça avant d'aller à l'école. Donc, j'étais plus fort que moi, j'ai fui. Et j'ai donc dit à l'ange que c'est pour cela que j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Il m'a dit, ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois plus aller à l'église, parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a appelé. Et il m'a dit, avant de rentrer sur Ngaoundal, tu iras voir le frère Élie et il te dira ce que j'ai mis en cœur pour toi. Et les deux anges sont partis. Le frère Élie, c'était un frère gendarme qui était à la vraie église de Papa Nsotuki à l'époque. Et donc, les deux anges sont partis. Arrivé à un certain niveau, un peu peut-être à 50 mètres ou à 100 mètres, l'autre ange qui ne me regardait pas, lui, il a continué. L'autre qui m'a parlé s'est arrêté, s'est tourné vers moi. Et il a crié comme il était à distance. Et n'oublie jamais ceci, une fois pour toute ta vie, un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et s'est retourné, il est parti. Cette phrase m'a fait pleurer. J'ai pleuré la nuit. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Les gens sont sortis, ils croyaient que quelqu'un est mort dans la concession. J'avais pleuré à cause de la parole, à cause de la parole que l'ange de mon Seigneur m'avait dite. Voilà comment j'ai pris la résolution. Pam, j'ai fait mes affaires, je suis rentré. J'ai dit, cette fois-ci, personne ne me chassera plus de la maison de mon Dieu. Et j'ai vécu des choses horribles, pires que les premières, mais je suis resté ferme jusqu'à aujourd'hui parce que ma mentalité est très simple. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé, ce n'est pas un homme qui m'a amené. Je suis redevable à personne. Voilà pourquoi l'homme peut faire tout ce qu'il veut, je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. Donc, c'est normal qu'on puisse dire qu'on cause avec l'ange. Hein? L'ange de la prophétie, ça, c'est une réalité. Ça, c'est même le béaba de l'angélologie, c'est-à-dire le domaine qui c'est le domaine qui utilise, qui étudie les anges. Non. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent non, parlez avec les anges, ça c'est la sorcellerie, vous parlez avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous enseigner toutes choses. Le fait que le Saint-Esprit enseigne toutes choses à l'église n'a pas annulé le ministère des anges. Il faut que les gens comprennent. Parce que le ministère des anges est plus ancien que le ministère du Saint-Esprit. Les anges parlent aux hommes dès la nuit des temps. Dès que Dieu a commencé à marcher avec les hommes, les anges ont commencé à interagir avec les hommes. Donc, il dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. C'est-à-dire pour vous confirmer, pour vous parler par rapport à ces choses et vous dire que ces choses-là, elles sont vraies. Dans Apocalypse 22, verset 8, Jean dira, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ouais. Et l'ange va se fâcher pour lui dire, ne m'adore pas, il faut adorer Jésus. Vous voyez que les prophéties de Jean, l'apôtre Jean, le prophète Jean, ces prophéties eschatologiques, apocalyptiques, c'est les anges qui étaient envoyés et qui montraient ces choses-là à Jean, qui lui expliquaient ces choses. Et ils causaient même avec les 24 vieillards, qui sont aussi une autre famille des anges que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Donc il faut que les gens comprennent cela. Ouais. Donc on peut parler avec les anges, on peut les voir discuter avec l'ange peut apparaître encore aujourd'hui, comme c'était à l'époque de l'Ancien Testament.
Non. Il y a des gens qui pensent que bon, c'est dans l'Ancien Testament que les anges apparaissaient physiquement aux gens et aujourd'hui ça ne se fait plus. Non, c'est faux. Aujourd'hui encore les anges apparaissent. Moi, j'ai reçu une visitation des anges dans ma chambre avant que je n'aille en France. Ils étaient nombreux. J'étais des chefs, principaux chefs des familles des cieux. Vous voyez? Djibril, Gabriel, ton ange, c'est ton esprit saint. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, hein? Mais il faut comprendre que les anges, c'est des entités spirituelles, indépendantes de l'esprit de l'homme. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est ça qu'on appelle les anges de la prophétie. Dans tout Apocalypse, là, c'est les anges de la prophétie. Et les anges de prophétie, ou bien les anges de la prophétie, ou bien les anges de la révélation, qui sont eux, ils travaillent avec les prophètes. Vous voyez? Ils travaillent avec les prophètes pour leur révéler les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. C'était juste l'introduction au ministère des anges. Nous allons travailler là-dessus. J'ai fait des démonstrations avec toi. Je vais t'aider à pouvoir activer ton ange et à le provoquer à se manifester. Il y a des choses que quand on fait, l'ange se manifeste automatiquement. Il y a des choses, on va voir ça bibliquement. Comment certaines personnes ont fait apparaître les anges? Quel est le secret? Comment il faut se comporter dans tous les cas? Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous, disons, je dis à tous ceux du Cameroun, vendredi, ce vendredi, nous sommes du côté de la Bille. Vendredi 17 mai, pour la grande nuit des flammes. Oh, la nuit de la révélation, la destruction des autels sataniques. On est dans la guerre, mes amis. On est dans la guerre jusqu'à ce que tu entres dans ton Canaan, le pays de ton repos où coule le lait, le miel. Dieu te bénira certainement. Passe l'annonce autour de toi. Je suis là et ça sera très chaud ce vendredi et ce dimanche à partir de 8 heures à la Bille toujours. Ces semaines seront à la Bille. Et le culte des familles, nous le ferons parler de congrès, s'il plaît, au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Passe une très belle journée et je prie que ton ange te soit révélé. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Il y a des êtres qui t'accompagnent. Ne l'oublie jamais. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Shalom. Bye.